3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. On ne parle que de ça. Il y a 30 ans, la navette américaine Challenger explosait après son lancement. À bord, 7 membres d'équipage, tous périront. Pour en parler, Patrick Baudry est avec nous en liaison de l'autre côté de la Terre, en Australie. Bonjour Patrick Baudry. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des rares pionniers français à avoir participé à la conquête spatiale. En 1985, vous y avez passé 7 jours. C'était lors d'une mission spatiale américaine à bord de Discovery. À propos de cette explosion de Challenger en 86, ce mardi 28 janvier 1986, où étiez-vous ? Eh bien, ce malheureux mardi 28 janvier 86, j'étais dans la région bordelaise à Cazaux, au centre d'essai en vol, où je faisais un vol d'essai à bord d'un Mirage, au moment de la catastrophe. Je n'avais pas pu aller en Floride pour voir le tir. Ça prend beaucoup de temps, hein, comme vous le savez. Et en plus, c'est un vol qui avait été pas mal reporté. Donc, j'ai appris la mauvaise nouvelle. À mon atterrissage, ce sont les mécaniciens de piste qui me l'ont annoncé. Et vous connaissiez les membres d'équipage de cette navette Challenger puisque vous aviez travaillé avec eux quelques mois, quelques années auparavant en étant basé à Houston, je crois. Vous travailliez pour la NASA à l'époque. Oui, je les avais quittés quelques mois avant. Ils se sont entraînés en même temps que moi pendant tout mon entraînement à la NASA. Donc je les connaissais tous très bien. Cinq d'entre eux étaient vraiment des amis très proches. Et c'était une mission particulière avec un civil à bord, comme vous le savez. Mais Challenger, c'était une navette qui était un petit peu marquée. Mon vol devait se faire sur Challenger. Et on a eu tellement de problèmes pendant notre quarantaine. Je vois pendant le compte à rebours, il y avait toujours des problèmes techniques qui s'accumulaient. Jusqu'au point, ça a été le seul cas dans l'histoire de la NASA, que notre vol a été purement et simplement annulé. Et la navette Challenger a quitté le pas de tir, a été ramenée dans le hangar où elle était préparée. Et lorsqu'elle en est ressortie pour effectuer son vol, c'était ce vol malheureux du 28 janvier 86. Et moi, entre-temps, j'ai pu voler sur la navette Discovery. Mais ce qui m'a beaucoup surpris à l'époque, c'est que les Américains n'arrêtent pas l'exploitation de la navette qui était, à mon sens, un engin extrêmement dangereux. On parle à ce moment-là d'une perte matérielle d'un milliard de dollars. L'Amérique est sous le choc parce que pour les Américains, la NASA, les vols spatiaux de la NASA, c'était de l'orfèvrerie suisse, on va dire. Qu'est-ce qui a causé, en définitive, la destruction de la navette après quelques secondes après son lancement ? Ce qui a causé la destruction de la navette, ce sont des joints qui avaient beaucoup souffert du froid et des joints sur les boosters, c'est-à-dire sur les deux grosses fusées latérales qui donne l'essentiel de la poussée au moment du décollage. Et un de ces joints a cédé, et bien sûr, la flamme qui s'est échappée a fini par complètement détruire l'engin, enfin le disloquer puis le détruire. Mais encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur cet accident particulier, précis. Beaucoup plus globalement, mon métier, c'est d'être pilote d'essai, c'est-à-dire d'essayer des engins que l'on met au point, qui sortent du hangar pour la première fois et qu'on fait voler pour les mettre au point et vérifier si tout ce que l'on espérait d'eux était bien au rendez-vous. Encore une fois, ce qu'il faut souligner, c'est que les Américains, lorsqu'ils ont conçu le shuttle, la navette, ils voulaient effectuer un progrès important dans deux domaines essentiels, celui de la sécurité tout d'abord, et des hommes qu'on emmène là-haut, bien sûr, et également un autre grand progrès devait être fait, celui des coûts. Vous avez évoqué le coût d'un milliard de dollars pour cet accident de la navette, c'est beaucoup plus que ça, bien sûr. C'est quelques milliards, il faut bien comprendre que chaque lancement
avait un coût qui dépassait déjà le milliard de dollars. Donc là, ce sont des chiffres qui ont été donnés aux médias, mais qui relèvent de la propagande, qui n'était pas réelle. La réalité était beaucoup plus importante et la navette était beaucoup plus coûteuse à exploiter que les Américains voulaient bien le dire, pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient vite compris que c'était un engin extrêmement délicat avec un domaine de vol très important et beaucoup d'aléas qui étaient difficiles à tous à surmonter. Et donc, en résumé, c'est un engin très dangereux. Vous Dans parliez, pardon. l'histoire, excusez-moi, mais c'est Oui. important quand on parle de cet accident, il est important de comprendre que dans l'histoire des transports humains en général, des transports aériens, maritimes et puis spatiaux, c'est l'engin de très loin qui était le plus dangereux et qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait de lui. Et ça, on l'avait compris une dizaine de vols seulement après sa mise en exploitation. Là, on était encore au début des vols de la navette, hein, en 86 et 85, mais on avait déjà compris cela. Je pense que les Américains l'avaient compris. Mais politiquement, ils ne pouvaient pas se permettre d'arrêter les lancements. La NASA, pour elle, ça aurait été un échec très grave parce qu'elle avait vendu aux politiques des coûts et des performances qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc, ça aurait été l'aveu d'un échec total. Pour les politiques, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose, hein, aux histoires spatiales, bien sûr, ça aurait été aussi un échec très grave pour l'Amérique, pour leur pays. Donc, pour ces deux raisons, les Américains ont finalement décidé de continuer à lancer la navette. Et bien sûr, il y a à peu près une chance sur 100, cet engin, à chaque fois, d'avoir un événement catastrophique, c'est-à-dire un accident équipe Challenger. Ça a été le cas avec Colombien. la navette Columbia le 1er février 2003. À nouveau, et on peut relever que sur le nombre de vols qui a été fait par la navette, 1 sur 100 aboutit à une explosion, une destruction totale, à la perte de l'équipage. Donc, vraiment, c'est pour moi, dans l'histoire spatiale, la navette, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour deux raisons. D'abord, c'était techniquement un engin extraordinaire, mais aussi politiquement, c'était un contresens absolu. Et j'admire beaucoup les Américains d'avoir osé continuer à utiliser cet engin pour des raisons essentiellement politiques, un petit peu économiques, mais surtout politiques. Et c'est assez étonnant. Là, on va repartir sur des bases nouvelles avec des normes de sécurité bien plus gérées. À propos de sécurité, les 7 membres d'équipage ont tous péri, évidemment. Cela questionne à l'époque sur la sécurité de ces équipages. Ce n'était pas une priorité pour la NASA à l'époque, vous pensez? Bien, si ça avait été une priorité, je le répète, ils auraient arrêté l'exploitation de la navette, car dès les premiers vols, ils avaient compris qu'ils ne maîtrisaient pas tout. Et il y a eu déjà avant l'accident de Challenger plusieurs vols qui sont revenus, disons, intacts un peu par miracle. Donc ça n'a rien d'étonnant. Moi, ça ne m'a pas étonné, ça m'a désolé que ce soit des amis très proches qui étaient à bord ce jour-là, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ils auraient pu s'en sortir, vous croyez, si Non, un système de sauvegarde avait été prévu? sur la navette, il n'y avait absolument pas moyen d'avoir un système de sauvegarde efficace pour l'équipage, ce qui est le cas sur tous les lancements traditionnels, classiques, comme Soyouz aujourd'hui et les prochains lancements américains d'ailleurs, où on a une fusée qui nous extrait et qui nous amène sain et sauf hors du problème, disons, de la catastrophe qui est en train de s'opérer, que ce soit sur le pas de tir, pendant le décollage ou même pendant le lancement. Mais là, sur la navette, c'est impossible. Les Américains avaient étudié un système de sauvegarde, mais ils y avaient renoncé. C'était beaucoup trop complexe. Quand nous-mêmes, Européens, on a travaillé sur la navette spatiale Hermès, dans les années, justement, après cette date, de 86, 87 à 93, on a étudié la possibilité de l'équiper d'un système de sauvegarde, mais c'était beaucoup trop coûteux, complexe. Vous savez, c'est un avion spatial, c'est pas une simple capsule comme le sont les vaisseaux spatiaux habités à partir d'aujourd'hui, beaucoup plus sûr. Justement, vous avez raison, parce qu'on peut les équiper d'un système de sauvegarde.
Parmi les sept membres de l'équipage, on avait beaucoup parlé à l'époque de l'un d'entre eux, qui était en l'occurrence une femme. Elle était enseignante, c'était Christa McAuliffe. C'était la première civile américaine à voyager dans l'espace et son but, c'était un peu de dédramatiser les vols spatiaux. La conquête de l'espace, à l'époque, avait un côté grandiose, peut-être un peu idéalisé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette conquête aurait été différente s'il n'y avait pas eu ce drame ? Non, ça faisait partie de la propagande américaine qui voulait montrer au monde qu'ils maîtrisaient les vols spatiaux habités, qu'ils avaient pris une avance très importante sur les soviétiques. Ça faisait partie du langage global, donc de la propagande. Il était absolument déraisonnable de mettre à bord un civil, quelqu'un donc qui n'était pas un professionnel. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Américains sont toujours opposés aux vols spatiaux de touristes, qui sont opérés par des soviétiques avant des Russes aujourd'hui, des vaisseaux russes, simplement parce qu'ils offrent la sécurité nécessaire. Et les Américains étaient tout à fait conscients de l'insécurité de la navette, tout à fait conscients, après cet accident, qu'ils ne pouvaient plus se permettre de placer à bord un civil, entre guillemets, donc quelqu'un qui n'était pas un professionnel. Et donc l'accès au lancement de touristes dans l'espace leur était interdit. Et ils ont toujours peu apprécié le fait que les Russes aient cette capacité. Et donc, voilà, quoi. Christa n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur ce lancement qui était un lancement fatal. Ils auraient pu lancer leur premier civil sur un lancement plus chanceux, disons, c'est-à-dire un de tous les lancements qui ont réussi. Ça a été sur ce vol, voilà, et ça a été la fin des touristes, ce qu'on considère comme des touristes envoyés dans l'espace. Ces dernières années, on a beaucoup mis en avant les prouesses scientifiques représentées par la sonde Rosetta et le robot Philae en 2014. On a aussi plus tôt dans le temps, en 2012, on avait beaucoup parlé du robot Curiosity qui est allé sur Mars. Pour vous, est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours parler de conquête spatiale ? Est-ce qu'elle a toujours un sens, cette conquête spatiale, avec toutes ces prouesses ? Oui, la conquête spatiale a toujours un sens. Elle répond à un besoin fondamental de l'être humain, qui est sa curiosité, et qui aboutit à la connaissance scientifique, bien sûr. C'est-à-dire, on veut comprendre le monde dans lequel on vit, à travers lequel on voyage à bord du vaisseau spatial de la Terre. On veut comprendre ce monde. Donc, la conquête spatiale fait partie de tout, de manière générale, scientifique, fait partie de cette recherche de découverte et de connaissances. Alors, la NASA fait toujours des annonces. Ça me fait un peu rire, parce que ça fait 20 ans qu'elle annonce qu'elle ira sur Mars, au lieu de le décider. À partir du moment où on aura décidé d'aller sur Mars, on ira, et il faudra à peu près 5 ans, moins de 10 ans de toute façon, pour effectuer un lancement, une mission sur Mars. Heureusement, il y a des missions scientifiques de robots, type Rosetta, Philae, enfin vraiment des missions qui sont très belles, mais qui manquent un peu de charme et de piment dans la mesure où l'homme n'est pas présent. Je crois que la vocation de l'homme est d'aller toujours plus loin au fur et à mesure de nos capacités techniques et scientifiques. Et en ce sens, les vols spatiaux habités depuis les 20-25 dernières années ne répondent plus à ces critères de découverte. Réellement, la station spatiale internationale est un plus un objet de propagande encore politique de la part des États-Unis notamment, qu'autre chose, puisque on ne sait pas très bien ce qu'on y fait, ça coûte très cher, on ne voit pas très bien l'objectif, alors qu'avec de tels budgets et de tels moyens humains, puisque ce sont des hommes exceptionnels de toute façon qui travaillent sur ces programmes spatiaux, habités notamment. Donc il est dommage de les utiliser à des missions qui n'ont pas grand intérêt à mon sens. Donc aujourd'hui, on est un peu au creux de la vague. Bien sûr, on ira sur Mars. Bien sûr, l'homme posera le pied sur Mars. Mais je fais davantage confiance aux initiatives privées, comme celle d'Elon Musk et d'autres personnes qui poussent en ce sens, que dans les fonctionnaires qui peuplent la NASA en trop grande quantité. Merci beaucoup Patrick Baudry pour cet entretien que vous nous avez accordé. Vous étiez en direct depuis l'Australie. Merci encore. Je vous remercie.